Ne néglige jamais ces 13 signes du VIH-Sida. Bienvenue sur ma chaîne, parlons d'un sujet important qui impacte un grand nombre de personnes, c'est le VIH. Il s'agit d'une infection virale qui va attaquer le système immunitaire, donc qui rend difficile pour l'organisme à combattre les maladies. Le VIH signifie virus de l'immunodéficience humaine, le syndrome d'immunodéficience acquise est le stade le plus avancé du VIH. Connaître les signes précurseurs est crucial pour un diagnostic précoce. Parmi les signes les plus précoces, on retrouve ceux de la grippe, c'est-à-dire une fièvre légère mais constante, et souvent l'un des premiers signes de l'infection, si elle dure plusieurs semaines sans explication évidente. On retrouve aussi des frissons, une sueur nocturne et la fatigue. Ces signes apparaissent 2 voire 4 semaines après la pénétration du virus. Un autre symptôme peut être des maux de gorge, accompagnés d'ulcérations buccales rendant l'alimentation difficile et douloureuse. Ces signes signalent que le système immunitaire est compromis. Les adénopathies peuvent être retrouvées à localisation cervicale, axillaire ou inguinale. Elles témoignent d'une réponse de l'organisme à un corps étranger. En numéro 7, on retrouve des éruptions cutanées qui apparaissent sur le visage, le torse et d'autres parties du corps à n'importe quel stade de la maladie. Elles peuvent s'accompagner ou non d'un prurite et être ou non gênantes. Des douleurs musculaires et articulaires peuvent être souvent mal interprétées et considérées comme des symptômes de surmenage ou dus au stress. Pourtant, avec la présence d'autres signes, elles orientent vers une infection à VIH récente. Une perte de poids involontaire, surtout si elle est inexpliquée par l'absence de régime alimentaire ou de sport, elle indique que l'organisme a du mal à absorber les nutriments nécessaires à cause du virus. Comme 10e signe d'alerte, on retrouve des infections fréquentes et répétées, et plus résistantes, indiquant que le système immunitaire est affaibli. Au fur et à mesure que la maladie progresse vers le stade de sida, les symptômes deviennent plus intenses. L'un des plus fréquents est la diarrhée persistante, qui va entraîner une déshydratation et une perte de poids intense en l'absence de traitement. Des sueurs nocturnes intenses qui surviennent sans aucune cause connue et même à température normale. Comme 13e signe, une perte de mémoire avec confusion ou affection neuropathique survient à un stade tardif, elle résulte d'une atteinte du système nerveux par l'infection. La survenue d'infections opportunistes comme la toxoplasmose, la pneumocystose, la cryptococcose et l'infection à cytomégalovirus sont des signes caractéristiques du VIH-Sida. La porte d'entrée étant le VIH, ces infections profitent de la détresse du système immunitaire et peuvent engager le pronostic vital. Il est important de savoir que plusieurs de ces signes peuvent être retrouvés dans nombreuses affections. Si vous avez un ou plusieurs des signes qui ont été cités, se faire tester est crucial. Un diagnostic précoce signifie que la maladie est encore gérable et donc une espérance de vie considérable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker, de partager et abonne-toi. À la prochaine !